Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 6 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter tous les posters qu'il va falloir asperger d'aérosol, donc plusieurs posters de carburant et d'oméga. Donc je vais vous montrer tous les emplacements des posters, moi je vais en faire 7 et je vais vous montrer les 7 que je vais faire, je vais essayer de les faire en une seule game, donc on verra bien si j'y arrive. Donc voilà, j'ai lancé en 20 contre 20 V2 parce que je me dis j'aurai peut-être plus de chance de faire ce que j'ai à faire. Donc là je vous affiche à l'écran une map que j'ai trouvée sur Millennium, que je vous mettrai le lien en description. Donc c'est tous les emplacements des posters. Donc on peut voir qu'il y en a 15. Ouais c'est ça, il y en a 15. Non, même 16. Ouais, il y en a 16. Et sur le site, tous les 16 emplacements sont détaillés par des presqu'une, donc des images. Donc si jamais vous voulez voir d'autres emplacements, moi je vais faire le 13, le 14, le 6, le 10, le 7. Je vais commencer par le 16, puis après je vais aller sur le 10, le 6, le 14, le 13. Donc ça m'en fait 5, puis après j'irai au 7 et peut-être au 15. Ou alors je verrai bien un autre, le dernier, si j'arrive à les faire tous en une seule game. Donc si jamais vous voulez d'autres emplacements que les posters que je vais vous présenter, bah, sur le site Millennium, il y a tous les emplacements qui sont répertoriés avec des images. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du Millennium que je mettrai le lien en description. Donc c'est parti, nous allons aller à Wellingwood. Donc celui de Wellingwood, il se trouve juste ici, donc au bord. Donc je zoome un petit peu dessus, au bord, là il y a une maison. En fait, il faut juste rentrer dans la maison et apparemment, il est au rez-de-chaussée, donc quelque part par ici. Donc voilà, juste là. Donc vous sortez votre aérosol. Hop, n'importe lequel, donc voilà, arc-en-ciel, vous taguez, voilà, et ça fait déjà 1 sur 7, normalement. Donc je sais pas si ça marche parce que j'ai pas vu la confirmation à gauche, donc je sais pas, peut-être qu'il est bugué, donc je verrai bien à la fin de la partie, là je vais en faire un deuxième. Donc le deuxième que je vais faire, c'est tout simplement celui de Tomato Town. Alors il se trouve dans le pont, donc là juste où je suis, et il se trouve ici à gauche, non? Ah non, il se trouve à l'intérieur de la porte là. Non. Alors à droite. Ah non, il est là, voilà. Il est de l'autre côté de la marche d'escalier, enfin de la cage d'escalier. Donc voilà, alors vous le taguez. Donc j'aurais peut-être dû mettre le tag dans mes préférences. Mais c'est pas grave, voilà, je l'ai tagué. Maintenant, je vais passer à un prochain qui se trouve ici dans les cargaisons. Donc c'est parti. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc ici dans les cargaisons, il se trouve juste là où je mets mon point. Donc en bas à gauche des cargaisons. Il se trouve juste là. Donc c'est pareil, hein, vous le taguez. Hop, flèche. Ok, et voilà. Ok, donc ça c'est le troisième. Je vais essayer d'aller faire un quatrième qui se trouve ici. Voilà, juste là. Donc c'est parti, dans le camp de Gitan. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc dans le camp de Gitan, à côté de la balançoire, il y a un truc open. Et regardez, il se trouve juste derrière. Donc hop, on va vite le taguer avant que la zone arrive. Donc on va mettre celui-là encore. Hop. Voilà, donc ça c'est le quatrième que je fais. Donc il y en avait un cinquième, mais je pense que je vais pas pouvoir y aller parce que la zone est juste derrière moi. Donc on va aller voir où est-ce que je pourrais faire un autre. Je peux aller faire un autre. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça ferait mon cinquième et il serait juste ici. Donc à côté de Dusty Divo. Donc on va y aller vite fait. Donc j'aurais pas su faire les 7 d'un coup, mais j'en aurais fait 5. Donc j'aurais plus qu'à faire 2 autres plus tard. Donc le prochain, il se trouve sur la colline que je vous montre justement là. Alors il va falloir de la construction pour que j'y remonte. Hop, donc, normalement j'aurai assez. Donc je suis passé à côté de plein d'ennemis, je les ai même pas tués, c'était trop marrant. Donc il se trouve juste là, bon là... Vous pouvez voir que quelqu'un a déjà tagué dessus. Donc c'est pas grave, je vais retaguer dessus. Arc-en-ciel. Ah non, c'est pas ça. Un aérosol. Voilà. Une croix. Et voilà, donc j'ai tagué sur 5 trucs. Donc maintenant, je vais me tuer. Il y a des ennemis là-bas, mais... Non, on s'en fout, je vais me tuer. Ok, je suis pas mort, c'est pas grave. Je vais aller les tuer. On verra bien s'ils me tuent pas. Il me reste 37 HP, on va bien... S'ils me mettent 2 balles, je suis mort. Regardez, ils me voient même pas. Regarde ça. Voilà, c'est bon, bien joué. Je l'ai mis à 126 quand même. Hein. Hey, tue-moi. Ok, nice. Donc, on va voir si ça a bien été validé. Si ça n'a pas été validé, ça veut dire que le défi, ben, il est bugué. Alors, défi, semaine 6. Ah non, c'est bon, ça a marché.
Donc asperger d'aérosol plusieurs posters de carburant ou d'oméga. J'en ai fait 5 sur 7. Ça s'est pas affiché à gauche, mais ça a bien été comptabilisé. Donc je vais faire les deux derniers et je vais vous montrer les deux derniers que je fais. Donc là, je vous remets la carte 5 secondes. Moi, je vais aller à Greasy Grow, non, à Flush Factory. Donc il y a le numéro 4 et le numéro 12 qui est juste un petit peu plus haut. Donc je vais faire ces deux-là. Et puis après, bah, je vais me suicider pour bien valider le défi. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé. Donc près de Flush Factory. Donc Flush Factory, c'est ça. Et juste à droite, il y a une petite usine. Donc dans l'usine, il y a une boîte disco. Donc vous rentrez dans la boîte disco. Et c'est juste à gauche, donc comme ici, voilà. Donc là, c'est la boîte disco. Juste à gauche, il y a le poster. Donc vous taguez le poster. Des lamas, voilà. Hop. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais faire le dernier qui se trouve un tout petit peu plus haut, donc près du pont, juste là. Voilà. Et je vais vous montrer son emplacement. Alors, quand vous êtes sur le pont, donc juste ici, près de Shifty Shaft, voilà, juste ici, c'est plus à gauche que ça se passe, donc en haut du pont. C'est juste ici, donc normalement, voilà, c'est juste là. Hop. Vous descendez d'un étage. Vous pouvez remonter par ici. Il y a un petit escalier, je crois. Ouais, par là. Donc voilà. Vous montez jusqu'ici, vous descendez. Et vous taguez le poster. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. Donc maintenant, je vais aller juste me suicider. Et vous montrer que ça a bien validé le défi. Donc, hop. On va aller au-dessus du pont. Voilà. Et Geronimo. Voilà, nice. Donc là, j'ai juste à attendre que personne ne me réanime. MDR. Voilà, je suis mort. Maintenant, quand je vais dans défi semaine 6... asperger d'aérosol plusieurs posters de carburant ou d'oméga a été validé. Donc petit rappel, il faut bien asperger d'aérosol plusieurs posters différents et pas deux fois le même parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Suicidez-vous bien ou finissez bien la partie avant de quitter. Et si jamais vous voulez plus d'emplacements, bah, je vous redirige vers le site Millennium qui sera en description pour vous montrer les 16 emplacements exacts de tous les posters. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.